A offert ce petit déjeuner. Et puis, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vais laisser la parole à Ronald, par exemple. Bonjour, je suis né en Suisse. À 16 ans, je sors de l'école et je fais un apprentissage. 4 ans d'apprentissage, je passe le diplôme fédéral suisse avec les étudiants des Beaux-Arts de Lausanne, par exemple, de toute la Suisse romande. Et je décide à 20 ans de partir en France. Je passe quelques années à faire plein de petits boulots qui n'ont pas grand-chose à voir avec le graphisme, si ce n'est que j'entretiens quand même un travail personnel en dessin, en illustration. Et en 79, avec ma compagne, on s'installe à Toulouse. C'est un petit peu fort, je trouve, le truc. Et on s'installe à Toulouse, et ben oui, parce que son ventre grossit et notre fils annonce sa venue. Donc je décide de travailler. Donc voilà, je fais la tournée des agences de publicité, parce que j'avais une velléité d'être illustrateur. Ça tombait bien, parce que les agences de publicité se développent. Il y a plein de petites agences, les grosses agences sont installées. Et il n'y a pas grand monde qui fait ce que je sais faire. Et pourtant, je ne savais pas faire grand-chose. Mais bon, ces 4 ans d'apprentissage m'ont servi. Autodidacte en dessin, je m'avance quand même à essayer de réussir les illustrations qu'ils me proposent sur Ruff. Donc voilà, je fais ça pendant 4-5 ans. C'était très bien payé, donc ça me laissait beaucoup de temps. Donc je suis freelance déjà à ce moment-là, je crois que j'ai jamais été salarié. Et ça me laisse du temps, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, j'ai pas de voiture, on a un tout petit loyer à l'époque. Les loyers étaient petits. Et donc, je fais ces illustrations pour les agences, et je fais de la musique, comme ça, parce que je rencontre des gens qui en font. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, 79, je suis dans la ville, je découvre un lieu, un tout petit théâtre, c'est même pas un théâtre, c'est un lieu de spectacle alternatif, rue des Blanchets, et je découvre ce spectacle qui s'appelle Rome des Foins, un spectacle du Théâtre de l'Acte. Comme je vais vous parler de l'affiche que j'ai fait, d'une affiche que j'ai faite pour eux, donc je vais vous parler un peu du Théâtre de l'Acte. Donc je découvre ce spectacle. Pour moi, c'est une révélation. J'ai jamais vu de théâtre contemporain. Je crois que le seul théâtre que j'ai vu, c'est Molière avec l'école à 10 ans. Non, 12. Et donc je découvre, c'est un peu une révélation. Et dans l'équipe, il y a aussi des musiciens qui participent soit au spectacle, soit en tant que comédien dans le spectacle. Michel Mathieu, je le rencontre, a ouvert à ce moment-là un lieu qui s'appelle l'IREA. C'est un lieu déjà qui réunit des acteurs, des musiciens. C'est un lieu de travail dans lequel on peut faire des ateliers, des ateliers de musique. C'est là où ils travaillent ces spectacles. Donc je rencontre ces gens-là et je
une grande velléité de faire de la musique. J'avais un vieux saxophone que je ressors de l'armoire, je le dépoussière, et là je me mets sérieusement à faire de la musique. Donc pendant 5-6 ans, j'ai fait avec ces gens-là de la musique. Et le fait de partager un espace et des passions communes fait que je rencontre Michel Mathieu. Michel Mathieu qui va me commander mes premières affiches de théâtre, quoi. Michel Mathieu a fait des études de lettres, il est belge. Il arrive, il monte sa compagnie en 68. Donc c'est une compagnie qui est déjà en rupture avec le théâtre, qu'on pourrait dire, conventionnel de l'époque. C'est un théâtre assez politique, bien entendu. Donc il arrive. Il ouvre à Arnaud Bernard en 75, pour, je sais pas si ça peut dire quelque chose pour certains d'entre vous, la Fabrique, qui était un lieu assez intéressant, Arnaud Bernard, un lieu qui avait un restaurant, une salle de spectacle, et qui réunissait déjà des acteurs du théâtre, des acteurs de la musique, des acteurs de la poésie sur la scène toulousaine, quoi. Cet homme-là a toujours eu comme fil conducteur de créer des lieux qui rassemblent. La Fabrique, quelques années après, se ferme pour diverses raisons politiques. Il ouvre l'IREA, sur le coup, c'est là où je les rencontre. Plus tard, il sera un des cofondateurs du Théâtre Garonne, qu'il quitte quelques années plus tard, et en 2005, il ouvre le Ring, qui est une salle pareille, qui s'appelle c'est une salle qui réunit aussi tous les arts périphériques et qui permettent à des gens qui viennent de plusieurs horizons artistiques de travailler. C'est route de Blagnac et c'est ouvert depuis 2005. Donc, Michel Mathieu, dans le bouillonnement des années 68, crée cette espèce de théâtre en rupture, un théâtre militant, un théâtre très politique, donc qui est souvent... Il puise un peu ses racines dans la méthode Grotowski, par exemple, qui est importante, dans l'engagement politique du Living Theatre. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Puis Cantor est une grande source de son inspiration, aussi, voilà, grosso modo, là autour. Étonnamment, ces gens-là ont été, à part Grotowski, je ne suis pas comédien, mais autrement, ce sont aussi des gens qui m'ont influencé, mais pas que j'ai découvert après lui, parce que lui a 10 ans de plus que moi, Michel Mathieu. Donc voilà, ça fait depuis 81. Voilà Michel Mathieu, oui, je tenais à vous le présenter quand même, parce que vous voyez le personnage. C'est pas pour rien qu'il est belge, et le grotesque est quelque chose, est une force, et une arme très puissante entre ses mains, quoi. Donc, première affiche qui me demande qui devait accompagner la compagnie justement du Théâtre de l'Acte. Donc c'est une époque où tout se fait à la main. Il n'y a que trois passages couleurs parce que la quatrième coûtait trop cher. Donc la première affiche. Donc maintenant, je vais vous parler de l'affiche qui va être le sujet de la causerie. Donc comment je travaille, grosso modo, je travaille dans ce petit endroit au fond d'un jardin, au centre de Toulouse. Et ça tout commence par des crayonnés sur des blocs. Donc là, vous avez une série, vous avez une partie des blocs que j'accumule d'année en année. Donc, c'est très simple, il suffit d'un crayon, du papier, et on met les premières idées sur le papier, comme ça. Donc les premières idées, souvent une affiche, surtout une affiche de théâtre, est faite de deux choses. Il y a le visuel qu'on travaille, et l'intégration du titre. Donc il y a toujours un mariage qui doit être le plus harmonieux possible entre la typographie et le visuel. Harmonieux, je veux dire, le plus juste possible, ça ne veut pas dire que ça soit joli, mais qu'il y ait une vraie intelligence, un vrai mariage entre les deux. Donc là, voilà, on commence par... Alors souvent, on peut commencer par la typographie, parce que c'est un espèce de petit entraînement, comme ça, c'est l'entraînement, le petit footing avant d'entamer les choses plus sérieuses. Et on commence à chercher des figures, des connexions, ça, tout le monde, je pense, vous connaissez tous ça, pour ceux qui sont... graphiste. Alors là, s'impose la figure de la mort. Pourquoi? Parce que bon, je peux peut-être vous faire un tout petit résumé quand même de la pièce, quoi. Le roi Lear, c'est le graal du théâtre, quoi. Vous avez le sac du printemps pour les danseurs, incontournable pour un chorégraphe, et pour un metteur en scène, il y a le roi Lear,
pour le comédien aussi d'ailleurs qui va jouer le roi Lear, parce que c'est quand même assez coton. Donc voilà, le roi Lear, vieillissant, a trois filles, il décide de lâcher la rampe et de leur donner tout le pouvoir et tout ce qu'il a. Et donc, ça semble généreux comme ça, mais ça va se compliquer. Il y a deux filles qui essayent de l'entourlouper, la guerre commence à poindre entre eux. La troisième fille est la seule, c'est la cadette, c'est la seule qui a ce qu'on pourrait dire une bouche de vérité. C'est la seule qui aime vraiment son père. C'est la première qui est rejetée parce qu'elle n'est pas flatteuse et tout ça. Tout ça pousse le roi à devenir totalement fou dans une scène grandiose. Et tous les principaux protagonistes de la pièce meurent à la fin, donc la présence du crâne va être tout le long de l'exposé, parce que la mort est très très présente. Bon. En même temps que je fais ces petits crayonnés, tout à coup arrive cette espèce d'idée où je synthétise l'homme par quatre petits pictogrammes. Ça n'a rien à voir avec la pièce, mais c'est toujours intéressant. C'est des petites choses que je mets de côté et que je pourrais utiliser plus tard si une fois... Donc on travaille, mais de l'autre côté, on travaille un peu tout azimut, très ouvert, et ça fait des petites idées qui peuvent servir pour faire une affiche peut-être sur le sexe ou la pornographie. Ça pourrait être une idée qui est assez marrante. Bon, le roi Lear, donc trois filles, là il y en a deux qui lui sortent par les yeux, donc c'est quelque chose qui commence. C'est des idées comme ça qui sont balancées. Bon, là je vous ai pas montré, parce que les premières qu'on balance, c'est vraiment les plus stupides, donc je vous ai quand même pas... Mais faites-moi confiance, il y en a un quand même. Donc voilà une petite idée qui me plaît bien. Je lui dis le roi, dans le feu, la destruction, tout ça, il y a quelque chose. Bon, si on garde que la couronne, ça marche aussi, c'est plus synthétique. On a une idée de château qui va à sa perte et tout ça. On a encore l'idée du roi, les flammes jaunes, tout ça, l'or, ça fonctionne aussi. Petite, voilà, on préfère quelque chose de très explosif sur l'affiche. Et ça me donne envie de la faire, cette image, mais plus pour moi que pour faire une proposition d'affiche. Je la ferai, je la montrerai à Michel, mais c'est plus par... J'ai toujours été, depuis le début de mon apprentissage de graphiste et tout ça, j'ai toujours été très très impressionné et même admiratif de l'école polonaise, qui était l'école d'affiche polonaise, qui était fabuleuse. Qui était une école qui était derrière le mur de fer et tout ça. Donc c'était un peu un hommage aussi. Je me dis, tiens, je vais faire quelque chose. Il faut dire aussi que je m'attaque à l'ours, parce que pour un graphiste, le roi Lear, c'est pareil que pour un chorégraphe ou que pour un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a tous les graphistes que je connais, tous les grands graphistes, toutes les affiches que j'ai pu voir dans des expositions comme ça, ont une fois ou l'autre dû se faire leur roi Lear aussi. Donc pour eux aussi, c'est quelque chose d'un peu incontournable, parce qu'on s'attaque à... On s'attaque à des choses qu'on a vues, on essaie de... Donc ça, c'était une envie, je répondais comme ça, puis je me faisais plaisir, quoi. Donc je me suis fait cette petite image. Mais on continue le déroulé. Là, on commence à trouver quelque chose autour du crâne et des bouches. J'aime bien ce paradoxe, ce contraste qu'il y a entre la sensualité des bouches des filles du roi et de ce crâne. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui devient intéressant. Là, ça devient un peu plus intéressant parce qu'on est vraiment synthétique. C'est très étrange de voir un peu les yeux, bouche, sensuelle, tout en ayant ce crâne toujours qui vous regarde. Bon, là, c'est carrément ridicule. Et donc, je tourne toujours autour de ces... Là, ça se précise un peu. On commence à avoir une tête de clown, de mort, grotesque. Je ne sais pas trop où je vais, mais c'est... De toute façon, c'est un crâne, c'est super à dessiner. Donc, voilà. Là... Commence à toucher quelque chose du théâtre de Michel aussi. Vous avez vu ce côté grotesque qui peut exploiter. Il y a côté mort, clown, désarticulation. C'est des choses que je trouve intéressantes. Pareil, une variante. Encore plus stupide. On commence à se dire, bon, comme ça, l'importance de la figure par rapport au titre. Toujours un peu le même type d'approche hein, dans le visuel. Mais bon, il faut savoir que Michel, dans sa mise en scène, il m'en a parlé, il convoque la vidéo. C'est l'époque où la vidéo arrive un peu dans le théâtre, et lui, il la convoque d'une manière assez assez subtile. C'est quand on voit le roi Lear en train de se faire maquiller dans une loge de
de télévision, il est suivi par une caméra en direct, on le suit dans un couloir et il débarque sur le plateau de la pièce. Donc, et après, la vidéo revient encore dans un certain moment. Donc ce lien entre les mass médias et la critique des mass médias qu'il fait en utilisant aussi la pièce du Roi Lear est importante. Donc c'est une chose que je veux exploiter. Donc c'est la deuxième partie des choses. Je venais d'acheter mon premier petit appareil numérique, comme ça, parce que je suis un grand fan de l'argentique. Donc je me dis, est-ce que c'est possible d'aller saisir la trame de la télévision pour qu'on sente qu'on est dans des images numériques? Donc, et en même temps, je me dis, est-ce que je peux capter des bouches, des visages de jeunes femmes, quelque chose comme ça. Donc j'ouvre à midi, au jeu télévisé de midi, sur la 1, la chose, et je m'aperçois qu'effectivement, la trame, bon, oui, là on commence à la voir même, la trame, c'est possible, c'est quelque chose qu'on peut attraper. Donc là, ça me plaît bien, j'ai un bon temps de pause, bon, ok, il y a quelque chose d'intéressant, donc... Effectivement, je peux attraper des visages, quoi. Et ça, là, ça commence à m'intéresser. Et je fais tout de suite ce rapprochement entre les deux choses, avec déjà le travail que vous avez vu tout, en amont, comme ça. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi un télescopage entre une image virtuelle, numérique, et un vrai travail à la main de peinture, quoi. Et les deux sont intimement liés. Donc après, je fais des versions comme ça. Il y a une version là qui commence à aller mieux. J'essaye de voir comment je vais intégrer le titre, comment tout ça va pouvoir s'arranger de bonne manière. Donc là, c'est assez marrant parce que vous voyez le crâne, le sourire du crâne est assez. On retrouve les idées que vous avez vues tout à l'heure. Une autre photo que j'aimais bien, que j'ai prise, on ne peut même pas appeler ça un photogramme, un vidéogramme. Et ça donne des choses. Et là, cette bouche m'intéresse. Donc, je reviens à mon idée de tout à l'heure, les trois bouches des trois filles. Là, je commence à cerner un peu mon crâne. Quelque chose m'intéresse beaucoup, c'est le petit nuage qui vient jouer sur la bouche. Donc, ça, je le vois là. Bon, j'ai fait un cadre de couleurs pour rendre ça joyeux, mais moins égale plus, vous le savez. Et hop, sans ça, c'est bien mieux. Donc, là, on a quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus charnel et de moins joli, mais de plus beau. Et hop, là, une autre variante. J'amène cette figure qui pour moi signifie la folie. C'est ces deux espèces de roues tronçonneuses qui se combattent comme ça, qui est une espèce de métaphore pour moi de la folie pour essayer de la faire exister graphiquement. Donc, voilà. Autre visage assez incroyable. On arrive quand même à trouver des visages qui sont touchants à la télévision. Hein. Et pourtant, c'est un jeu télévisé. Hein. Et donc, je convoque l'autre en agrandissant, en cherchant une autre manière de mettre en page plus d'importance sur mes roues de folie, tout ça. Mais bon. Il y a cette image qui me plaît beaucoup parce que c'est un grand franc sourire. Donc je lui dis, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc, effectivement, je convoque mes autres figures. Ça finit par donner ça, qui est quelque chose qui commence à me plaire et qui me finit par me convaincre et convaincre aussi Michel Mathieu que c'est peut-être celle-ci qu'on va choisir, qu'on va imprimer. Parce que si vous voyez le nuage sur la bouche et sur le sourire, vous l'avez vu le sourire, mais maintenant on ne sait plus si c'est de la jouissance, si c'est de la souffrance, si c'est un sourire. Il y a une espèce de mystère qui est caché là-dessous. Et là, cette chose-là m'est importante, quoi, de ne pas tout dévoiler, d'arriver à créer toujours une polysémie dans l'affiche, qu'on puisse aborder la chose par plusieurs chemins différents et qu'on puisse jamais vraiment faire le tour et expliquer la chose, quoi. Donc cette affiche-là est devenue cette affiche-là. Hop. Que vous avez vu pendant 15 jours dans les rues de Toulouse. Ces affiches sont tirées à 50 exemplaires parce que le Théâtre de l'Acte est une toute petite structure, donc une petite structure régionale de théâtre. On tire ces affiches à 50 exemplaires. Elles sont vues 15 jours dans les abris, dans les sucettes de la ville. Et après, elles rejoignent
mes archives, si vous voulez, je stocke une vingtaine d'affiches, elles vont dans les caves du théâtre, et elles ont une deuxième vie, c'est que je les envoie, pour les meilleurs, participer à des concours internationaux. Donc il y a une dizaine de grands concours internationaux d'affiches dans le monde, Mexico, Japon, France, à Chaumont, Varsovie et tout ça. Et donc je les envoie. Donc ça leur donne une deuxième vie, parce que si elles sont sélectionnées, elles rentrent dans leur collection, de toute façon, elles rentrent dans leur catalogue, et donc elles ont une vie artistique en plus. Donc il faut savoir que une bonne commande est souvent un bon commanditaire. Donc Michel Mathieu, que je connais depuis plus de 30 ans, dans la durée, dans la confiance qu'on a ensemble, a fait qu'on a commencé à avoir des rapports étroits et des rapports de travail qui permettent des fois une grande liberté d'approche, donc des fois de pouvoir aboutir à des affiches qui peuvent être de haute qualité. Le fait qu'il soit aussi artiste, donc metteur en scène, scénographe, il a aussi signé des affiches de ses spectacles et tout ça, est important par rapport à quelqu'un qui défend la part artistique dans le graphisme, parce qu'on parle un peu le même langage, tout ça. Le fait d'avoir partagé des ateliers, le fait d'avoir des ateliers de théâtre, d'improvisation, tout ça, est aussi important. C'est-à-dire que quand j'avais 25 ans, je pouvais pas imaginer que cet homme-là allait m'accompagner et que moi j'allais l'accompagner dans pratiquement déjà une grande partie de ma vie professionnelle. Et qu'il allait m'aider à me construire, et moi peut-être aussi l'aider à s'enrichir, à se construire. Donc c'est assez étonnant que du local, une petite chose comme ça, d'un petit théâtre, cette affiche-là, une fois sélectionnée à Varsovie, donc qui est la plus grande biennale au monde, la grand-maman des biennales, de toutes les biennales d'affiches du monde, sélectionne cette affiche comme étant le grand prix en 2008, et nous décerne à Michel aussi, parce que le commanditaire, à son commanditaire, je ne fais aucune affiche, et nous décerne le Grand Prix de Varsovie. Varsovie, la Pologne, le pays qui m'a donné envie de faire des affiches quand j'étais apprenti, que je voyais les affiches dans Graphis, la seule revue qui existait sur le graphisme, une revue trilingue. Et Michel Mathieu, de son côté, puisait chez Cantor, puisait chez Grotowski, puisait énormément dans tout ce qui a fait la beauté artistique de la Pologne. Et quand on nous décerne ce prix-là, il y a quelque chose qui fermait la boucle, quoi. Au mieux, une affiche, ça peut être une semaine. Affiches pensées, réalisées et imprimées. Alors ça, c'est le maximum, mais c'est rarement quand même. C'est quand même un peu trop rapide, quoi. On n'a pas beaucoup de choix de se retourner au cas où. Là, ça a été beaucoup plus long parce qu'on avait plus le temps. Michel m'en parle en amont, on se connaît, il est sur Toulouse. Donc, je ne sais pas, je dirais un mois, quoi. Un mois, mais normalement, une affiche de commande, c'est à faire, si je suis disponible, c'est 15 jours, quoi. Et on l'imprime en 2-3 jours. Voilà. Après, c'est des fois on trouve une idée tout de suite, on se dit, elle est là, l'affiche est pratiquement faite, on l'a fait, puis c'est seulement 10 ans après on se dit putain elle est nulle, quoi. ou c'est l'inverse, quoi. Des fois on se dit oui, ça s'est fait tout seul, quoi. Là c'est pas quantifiable, quoi. Voilà, c'est Michel, c'est l'interlocuteur en face qui m'aide beaucoup, parce qu'il y a des choses qui, à quelque part, il est moins sensible. Donc je cherche aussi le terrain dans lequel je travaille aussi avec lui, quoi. Je peux pas travailler tout seul. Autrement, effectivement, j'aurais jamais été jusqu'à la dernière. On voit bien qu'il y en a une qui, au milieu, qui était pratiquement faite, qui me plaît beaucoup aussi, hein. Donc, par contre, je peux développer la question quand on fait un travail personnel où j'ai pas de commanditaire. Là, c'est compliqué parce qu'on fait un travail, je travaille une image, quelle qu'elle soit, pour moi, en étant mon propre commanditaire. Déjà, pour la commencer, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça peut ne pas avoir aucun sens. Pourquoi je vais faire ça? Mais bon, malgré tout, des moments, on se lance. Et comment on sait qu'elle est finie, quoi? Et comment on sait, en fin de compte, c'est assez marrant parce que on la travaille, le soir on la met, on la laisse là, exprès sur la table, ouverte, disons si c'est une gouache ou un tableau sur son support.
Et le moment de vérité, c'est le lendemain. On croit l'avoir fini, mais le lendemain matin, quand on arrive et qu'on a dormi, première chose qu'on fait, on regarde. Et là, on sait s'il va falloir s'y remettre ou pas. Quoi. Il y a des moments, on revient, on dit « ouais, ok, c'est vrai ». Le tour est fait, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais celle-ci, elle est aboutie. Et l'image n'étant qu'une marche pour la suivante. Grosso modo, moi, je ne crois pas trop aux chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre. Maintenant, je regarde des vieilles images que j'ai faites. Il y en a qui tiennent énormément bien le coup, qui n'étaient pas si évidentes que ça. Il y en a d'autres que j'aimais beaucoup, qui ne me touchent plus. Je ne sais pas comment. Ça ne nous appartient pas, ça. Je crois qu'après, les images, quand elles sont faites, elles appartiennent au regard des autres. Quoi. Moi, je les entasse, et puis je ne les regarde pas beaucoup. Elles sont, vous avez vu, les blocs, il y a pareil pour des images peintes. Il y en a des cartons, des étagères. Je m'arrête au dessin rouge, comme ça, où les idées sont précises, la mise en page commence à exister, et je vais le montrer au commanditaire, je lui montre ça, il peut y avoir plusieurs directions qui m'intéressent, et on en discute ensemble, quoi, avant de se lancer dans la fabrication de l'image qui peut être très longue, et qui peut tout d'un coup ne pas du tout satisfaire, être pas juste, quoi. Plus ça va, plus j'avance en âge, plus je suis fragile là-dessus, quoi. Jeune en bétonne, parce qu'on a peu de moyens, et c'est ça et pas autre chose pour exister. Autrement, on se fait ratatiner par l'autre qui veut vous faire dessiner à sa place. Mais petit à petit, l'autre prend de plus en plus d'importance, parce qu'on est d'abord, on connaît mieux les choses, et on est plus attentif à quand l'autre est respectable aussi, parce que des fois, des commandes qui sont plus difficiles, il y a aussi des gens où ça se passe pas très bien, mais donc on finit par des compromis qui sont pas terribles. Mais quand ça se passe bien, l'autre, ouais, vous oblige à aller chercher autre chose ailleurs, à sentir autre chose. Et c'est pas plus mal parce que au bout de 30, 40 ans, vous avez votre langage graphique et tout ça, vous le faites. Vous essayez jamais de vous répéter, mais vous puisez quand même dans votre vocabulaire et votre grammaire. C'est des fois pas mal que quelqu'un vous permette de biaiser un peu le truc pour vous faire peut-être changer un tout petit peu et vous enrichir d'autant plus, quoi. Comme je le disais, je voulais amener cette dimension de l'image donc, vidéo. Donc en allant les chercher, ces visages, je les ai eus, donc ça a rétréci. Et j'ai quand même gardé pas mal de figures que j'avais trouvées avant dans mes petits croquis, le jeu des bouches, le crâne, la couronne, tout ça. Donc j'ai gardé des choses. Mais il y a un moment, effectivement, le fait de découvrir ces photos m'ont fait changer de cap, quoi. La vidéo est devenue plus importante et ça me donne une image du roi Lear beaucoup plus moderne, quoi. Cette espèce de trame de télévision pour moi par rapport à tout ce que je connais de l'imagerie qui a été faite sur le roi Lear et de la pièce de Michel aussi qui travaillait avec ça, je la trouvais beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus inventive à la limite. Il faut toujours un prix, hein. Il ne faut jamais travailler gratuitement, parce que dès qu'on travaille gratuitement, on se fâche avec la personne avec qui on travaille. Donc pour eux, c'est le tout petit prix, mais comme avec eux, j'ai fait 13 affiches, et sur les 13 affiches, j'ai gagné 4 très grands prix internationaux, et que, grande chance pour moi, c'était Chaumont, et en dessous, bon, les Chinois, il n'était pas doté, mais il y avait un prix à Osnabrück en Allemagne. Et il y en a encore un autre que j'oublie. Eh bien, Varsovie, qui était doté. C'est des prix qui sont bien dotés. Donc, quelque part, si je me suis payé les affiches beaucoup plus tard, grâce aux prix que j'ai reçus. Mais bon, normalement, ça aussi, entre 1500 euros, quand il y a plusieurs affiches dans l'année, quoi. On pourrait dire une série, un théâtre qui vous demande 4, 5, 6 affiches. Jusqu'à, je dirais, 3005, on ne peut pas aller beaucoup plus. Quand elle est un peu nationale, dans le milieu culturel, ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, quoi. Après, il y a des fois plusieurs formats, elles sont déclinées sur plusieurs formats. Des fois, il y a des droits d'auteur qui sont vendus pour qu'ils puissent les utiliser sur les programmes, sur leur support de communication. Donc voilà, la fourchette, c'est ça, quoi. Quand ça coince, trouver une image, il y en a toujours une. Quand ça coince, c'est quand la personne en face qui me la demande n'est pas du tout réceptive. Ça, c'est vraiment, c'est un problème, quoi.
parce qu'elle n'est pas réceptive, mais elle trouve ça pas mal. Il y a quelque chose, donc ça vous donne envie de... On dit, bon, on va aller plus loin. Donc pour finir, vous la faites, vous passez vachement de temps, l'affiche est là. Alors il y a deux cas de figure. Il y a soit la personne qui est tout à fait honnête, respectueuse du travail de l'artiste, qui fait, ah ouais, ouais, c'est bien. Ok, donc ok, vous faites le chèque, tout le monde est content, on sent que ah, c'était pas ça, quoi. Et il y a l'autre qui dit, ah non, ça va pas, et tout ça. Alors bon... Quand j'étais jeune, comme je vous disais, j'y allais en force, puis c'était ça ou rien. Maintenant, ça ne peut pas être ça, quoi. Si le travail a été bien fait ensemble, on se dit, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, on cherche une deuxième image, quoi, à ce moment-là. On remet tout à plat. Ça ne sert à rien d'essayer de sauver la première. Normalement, il faut repartir, il faut tout recommencer. Et il m'arrive même, pour le premier cas de figure, ça m'est arrivé une fois pour le Centre régional des lettres, où la personne était... tout à fait respectueuse, elle m'a dit « Ah ouais, c'est super !» Puis je lui ai dit « Oui, mais ça ne vous plaît pas, vraiment ?» Elle me dit « Non, non, mais ce n'est pas le problème. c'est très bien, vous êtes un professionnel, c'est super et tout ça. » Donc je pars très content de moi. Bon, elle est au moins quelqu'un de clair, qui, voilà, elle est respectueuse. Et le lendemain matin, je me suis levé, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas supporté que ça ne lui plaise pas. Et ça, c'est parce que je suis vieilli, quoi. C'est marrant, quoi. Je n'ai pas supporté. Cette femme avait une vraie qualité de rapport avec moi. On a beaucoup échangé de choses. C'était pas normal. On aurait eu des mauvais rapports. Je dis, bon, elle pense mal, c'est autre chose. Mais le fait d'avoir de l'estime pour elle en avait beaucoup pour moi, pour dire, écoutez, voilà, c'est très bien. Bon, moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais enfin... Et bien, j'ai refait autre chose qui était moins bien. J'ai fait une autre image qu'elle a adorée. Très bien. Mais moi, je préfère la première. Mais... La taille, c'est comme les illustrations quand c'est peint, quoi. C'est toujours assez petit, hein. C'est entre le A4 et le A3, quoi. Ça dépasse jamais ça. Des fois, il faut plus de place, parce que des fois, il y a les deux formats, le format vertical et horizontal. Donc, je laisse beaucoup de matière, de choses comme ça, pour pouvoir recadrer différemment. Mais par contre, comme ça fait depuis l'âge de 16 ans, hein, que je suis dans les imprimeries, que je vais voir les conducteurs, c'est quelque chose que j'adore. Je connais vraiment bien le métier de l'imprimerie. On est rarement déçus. On est rarement déçus, surtout dans les grandes affiches, parce qu'elles prennent tout d'un coup. Elles commencent à exister, je le sais, quoi. Donc quand je travaille une affiche, je sais que c'est pour ce format-là que je vais travailler. Et on est plutôt épaté que déçu, même si on perd des petits détails, des choses. C'est une reproduction, c'est une affiche, c'est pas le clone de la peinture, quoi. Après, avant, la technique était plus compliquée, donc des fois c'était mal imprimé, donc ça n'avait pas de pêche. Là, par contre, on pouvait être déçu, quoi, parce que techniquement, elle tenait pas. Mais maintenant, avec les machines qui existent, si on a bien fait son travail et si on est au tirage, c'est pratiquement pas possible de rater une impression, quoi. Non, moi j'en ai fait mon deuil, point barre. Ouais. C'est-à-dire que quand je mets un verre véronèse parce qu'il me plaît, je sais que malgré tout j'ai cette chance-là par rapport aux gens qui travaillent que sur l'ordinateur. C'est qu'une fois que tout le travail est fait, j'ai une petite image comme ça, que j'aime beaucoup, qui me reste, qui fait partie de... Ben, voilà, c'est une petite peinture. Et ça, j'ai déjà cette notion-là quand je la fais, quoi. Donc les couleurs sont les couleurs que je veux, et quand on imprime, ben, je fais mon deuil de ça, quoi. J'ai toujours, malgré tout, ma pensée, ma pensée la plus fine et mon travail le plus fin est dans l'original qui est dans mon carton, quoi. Que des gens, des fois, viennent... peuvent acheter, qui peuvent être exposés et tout ça. Par contre, pour vous, certains graphistes, où tout est dans la machine et tout est codé en 0 et en 1, ça va être plus problématique plus tard, quoi. On ne sait pas comment vous allez pouvoir conserver ces images sur la durée, disons dans 30 ans, comme moi ça fait 30 ans. Qu'est-ce qui va rester de toutes les images que vous avez faites? Comment vous allez pouvoir les stocker? Comment vous allez peut-être pouvoir les remontrer? Est-ce que l'image que vous faites est vraiment ce qu'on voit sur l'écran? Moi, l'image que je fais, c'est ce que je peux montrer sur le papier. Et moi, je considère ça comme étant une grande force. C'est d'avoir toujours... Moi, je viens d'avant l'ordinateur et je garde ce rapport au matériel, quoi. J'adore l'ordinateur aussi, je l'utilise, mais le matériel est très important pour moi, quoi. Dans,
autant j'aime la fidélité, vous voyez, avec le commanditaire, avec Michel Mathieu, quoi. La fidélité nous a permis d'aller jusque-là. Moi, comme j'ai un imprimeur, je ne discute pas les prix, ou s'il faut les discuter, on les discute ensemble, et la confiance fait qu'on peut, il peut faire des efforts, mais il faut connaître les gens pour pouvoir travailler au mieux, quoi. Donc, eux, ils m'apprennent ce qu'est une machine, et moi, je leur apprends ce qu'est le regard, vu que c'est moi qui leur demande de travailler, et eux, ils apprennent ça, moi, j'apprends ce qu'ils m'apprennent, et c'est, au bout de quelques années, ça permet d'aller vite, d'avoir le meilleur résultat possible, avec nos possibilités. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'on sait faire. Mais. Donc, pour ça, c'est fait chez Carpentier, qui est le sérigraphe dans la région, qui est connu et qui travaille très bien. Et après, vous avez Chabriac, qui a des très grandes machines, qui peut imprimer aussi des formats comme ça. Et Chabriac, ils impriment des affiches depuis le début du 19e siècle. Ils ont imprimé tous les grands affichistes d'avant-guerre. Donc, c'est des gens de qualité aussi qui ont un grand savoir-faire. Voilà, ben merci beaucoup d'être venu, hein, parce que ça m'a impressionné. Hein.